Et c'est parti. Tiens, Carole, en direct. Bonsoir Nadia. Salut Laurent. Les premiers ont le droit au bonjour. Heureux de me voir. Ben oui. Merci. Salut Jean-Luc. Marianne Dominique. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Soyez à l'écoute, soyez attentifs. Bonsoir de la Belgique. Joachim, bonjour. Salut Anthony. Anna, Célia, Didier, Jeannie. Et tous les autres que je ne vois pas. Et pour vos soutiens. Patricia, bonsoir. Uranie, c'est joli, Uranie. Le papillon. Ça papillonne. Salut Sébastien, petit message en aparté pour Sébastien. Je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais il n'y avait rien à signaler au moment où. Parce qu'il n'y avait rien en même temps. Bonsoir à toutes, à tous du 07 de l'Ariège. Du Luxembourg. Bonsoir Anne-Marie. En ce solstice qui est donc passé, nous sommes en hiver. Pour ça, ça caille. J'ai mis mon. Ben, il faut que je continue de la mettre. Hein. Marie-Odile, bonsoir. Bernard. Salut Bernard. Saturne, Pluton vite. Et Jupiter et Mercure, qu'est-ce qu'on en fait? Alors. Un replay. Ok. Ok, Isabelle. Oh Nathalie, je suis ok. Je soupçonne que c'est Seb. Bonsoir Béatrice. Ah, allez dans le sud-est un peu plus. De rien Sébastien. Bonsoir Pascal. J'ai déjà la voix qui part, donc je vais trinquer avec vous avant de parler. Et de la Suisse, ça me va bien aussi. Stéphanie. Mais il y a une cicatrice. Et j'ai déjà dit, si ça se trouve en dessous, c'est le vrai Macron, si ça se trouve en dessous. Le vrai, il est venu là. Un replay. Non, il n'y en a pas. Bonsoir Christine. Allez, je laisse le temps d'arriver. J'espère que ça va bien marcher. Fabienne, très bien, ok. Bah, tu as bien fait, bien sûr. Tu soupçonnes bien. À part la cicatrice, qu'est-ce qu'on pourrait me cacher? Salut Monique. Ah, depuis le 69, bon, on va dire que c'est le Rhône, ce sera moins tendancieux. 65, ça va être les Pyrénées, je ne sais plus, c'est pas les PO, mais c'est les Pyrénées quoi, orientales. Orientales, 64, Atlantique. Bonsoir, Caillouchou. Valérie, j'ai une question de. Ah ben tiens, ça c'est un excellent témoignage, Valérie. Excellent témoignage. 04, ça doit être 04, 04. Qu'est-ce que c'est déjà? Les Alpes de Haute-Provence peut-être ou quelque chose comme ça. Mais un peu maritime. Non, c'est maritime, c'est le 6. Haute-Provence, c'est le 5. Hautes-Alpes. 72, c'est. Et encore la Suisse. Bienvenue tout le monde. Et à Paris. Et eh oui. Bienvenue à Paris. Moi, je suis déçu. On m'a pas fait la remarque de Barbapapa quand j'ai chanté la dernière fois. Dommage, on aurait pu rigoler. Et l'héros, je ne suis pas. Donc, lui, ça, je connaissais par cœur. Presque un collab sur les départements. 66, les PO. Ouais. La scène maritime. Oh, ça commence, les sabugs. Oui, peut-être chez quelqu'un, chez certains. L'Oise, le Nord, le Schnorr. Ensuite. Alors. Alors, de façon générale, je le dis maintenant, mais je vais le répéter dans les premiers temps, les premières minutes, je vais le redire.
Donc, de façon générale, l'idée, c'est d'évoquer la construction du monde de demain. 14, le Calva, 12. Ouais. Oui, Jean 4, d'accord. Italie, en plus. Oh, l'Italie aussi. Waouh. Ouais, l'idée, c'est donc d'évoquer la construction du monde de demain. Hein. Comment ou pourquoi Avant, je vais refaire un petit tour avec l'Église, avec ce que j'ai publié aujourd'hui. L'Ariège encore, Joël, bonsoir. Le 1 de l'1, hein. Didier, ok. Les Hautes-Pyrénées. Alpes-Maritimes, 06. Marseille. Alors. Ouais, je vais expliquer un petit peu l'Église pour qu'on soit bien clair, parce que manifestement, j'écris pas le français, j'écris en hébreu, en arabe, je sais pas, mais apparemment le français c'est compliqué. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'heure qui est le 27. Maintenant on fait à l'envers, Gironde 33, l'heure 27, Bretagne du Sud 56, le Morbihan. Ensuite, Meurthe-et-Moselle. Excellente révision pour tout le monde. pareil, il y aura un principe, il y aura moins de gens qui chercheront à emmerder le monde. Salut Hervé, franco-belgo-luxembourgeoise, d'accord. Et la Belgique. Il devrait moins y avoir de pénibles. Bon, puis s'il y en a, tant pis, de toute façon, je suis de bonne humeur encore. Contrairement à ce que certains croient. L'agressivité, machin, truc. Charente-Maritime 17, c'est comment? Sainte. L'amphithéâtre de Sainte. Sophie, oui, ça commence à aller mieux, c'est normal, hein. Comme j'ai dit, au niveau des âmes. D'ailleurs, les âmes, je vais en reparler un tout petit peu, mais pas forcément très longtemps, mais au moins un petit peu, avec l'Église, justement. Comment j'ai compris pour Marthe Robin, par exemple, dans le processus. Ouais, de toute façon, l'un ou l'autre, hein. Ou l'un dans l'autre, mais pas tout le temps et pas devant tout le monde. C'est le 15. Ah ouais, mais vous n'arriverez pas. Salut Aurélien. Aurélien. Bon. Bon, Eric et tous, ok. Bon, il y a peut-être moins de monde que d'habitude, mais c'est pas grave. Ouais, j'écris normalement le français, sans faute, j'essaye, parce que quand j'en vois une, ça m'énerve, je corrige. De Dormont à Château, à Sauvigny, d'accord, ouais, peut-être, Sauvigny, oui, c'est possible. T'as des preuves que c'est de bonne humeur, mais oui, en douille. Bien sûr. Mais faut pas croire, je suis tout le temps de bonne humeur. Simplement, ben, il y a des choses qu'il faut dire, faut corriger. C'est pas toujours en mettant de la pommade qu'on corrige une cicatrice. Parfois, il faut un coup de pied au cul. Il y en a qui savent l'accepter, puis d'autres non. Bah, ceux qui veulent pas, bah, c'est strike. Et je suis champion de bowling dans bientôt. Encore 2-3 coups et je ferai 300. Bonsoir Monique, Franck, bonsoir, bonsoir. Pierre-Paul Jacques, c'est un peu lourd, ouais. Oui, mais ça en même temps, bah, on ne peut pas faire parfait devant tout le monde. Je suis timide. Bonsoir Roland. Et puis bon, c'est pas un catalogue à blagues, mais bon, c'est. Aujourd'hui, enfin, il y a une question de. Il y a un apaisement qui s'est fait depuis cette nuit. Templier, j'ai pas envie. Bon. Vous allez voir à la fin. La colère, elle n'est pas légitime, elle est liée à une frustration. La colère, ça doit s'évacuer en chassant les frustrations. Alors oui, c'est une bonne idée, Catherine, de préciser que pour ceux qui demanderaient tout ce que je dis là, sachant que tout va se confirmer au fur et à mesure, effectivement, mes sources, c'est oui, Eric Bidou, je suis timide et je le reste. C'est évidemment Contrexéville, Évian et tout ça. Contrexéville, Évian, Passe-moi l'éponge, Vittel, Volvic, et puis il y en a plein d'autres, évidemment, en Auvergne et un peu partout. Exactement, on peut donner de l'amour en bottant le cul, en bottant le derrière. Faut pas que je dise cul, on dit que je suis vulgaire.
Tiens, maintenant, je fais aussi une parenthèse tout de suite aussi à ceux qui disent que je suis vulgaire, parce que j'ai dit une fois je t'emmerde dans deux vidéos. Tous ces gens qui vont voir Bigard en spectacle, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Voir Bigard en spectacle, je dis une fois je t'emmerde et en fait ça plaît pas. Mais c'est pas grave en même temps, parce que je le redirai peut-être. Mais pas ce soir, normalement. Alors, ça c'est fait, c'est dit, ça arrive et on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Donc on va, qu'est-ce qu'elle fait Nadia? Comment elle a fait pour garder ses... Ben, au revoir Nadia. Allez, hop, premier strike. Allez, ah non, on veut pas que je supprime. Bon, on va le laisser. La fin pour garder des adeptes, ma pauvre, ma pauvre. Alors pour certains, c'est l'apaisement, mais je parle de l'apaisement qu'on sent à l'extérieur. Les personnes sont identifiées maintenant. Celles que vous avez en face de vous, elles sont entières, elles sont pleines. Donc celles que vous voyez du mauvais côté, elles sont du mauvais côté. Il n'y a pas à se... oui, les sourds de Vichy, oui. Elles sont forcément du mauvais côté, ça c'est clair et net, hein. Ceux qui sont bons, mais là il n'y a plus à tortiller, c'est pas une âme qui pollue qui que ce soit, puisqu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les âmes sont remontées, enfin doucement pour ceux qui l'ont fait, moins doucement pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour Bigard, ben non, il y a 1000 places qui sont vendues pour l'Olympiade de 2021, donc c'est pas si compliqué que ça. Le Covid vit ses derniers jours. Allez, on attaque. Juste pour enchaîner, je vais commencer comme ça, puisqu'on est encore un petit peu sur les âmes. Ben, l'emblème Annick, il faut aller sur internet, hein, c'est pas à moi de le faire. C'est ma décoration à la maison, ça me regarde. Le chapeau de druide derrière, le tableau avec la crucifixion de l'argent, et le drapeau templier. Templier, égal franc-maçon pour ceux qui veulent, satanique pour ceux qui veulent. Voilà, comme ça c'est fait. Si vous avez la flemme d'aller chercher ou vous avez des infos d'autres endroits où on dit des conneries, ce n'est pas mon problème, c'est réglé, ça a été dit 20 000 fois dans les autres vidéos. Donc on va finir, c'est un peu cette séquence sur les âmes avec les anciennes vies. Les anciennes vies, donc, enfin, vous avez compris ce que c'était que les âmes par rapport au fœtus, par rapport à tout ça. Mais les anciennes vies, c'est aussi votre âme. C'est-à-dire votre âme, elle est venue plusieurs fois, en 12 000 ans, pendant plusieurs cycles, éventuellement, même souvent. Et elle a donc habité potentiellement par moments des personnes connues, des personnages célèbres. Dans mon entourage, il y en a plein. Il y a une amie qui a l'âme du Christ, par exemple. Bon, c'est pas pour ça. Non, ça se reconnaît comment? Par des symptômes ou des signes identiques. En l'occurrence, cette personne, ben, elle a plusieurs frères et sœurs, demi-frères et sœurs. Ça ressemble complètement à la famille du Christ, qui était en fait une famille recomposée de plusieurs côtés. De beau-père, du père, du fils, enfin de la mère, de la sœur, enfin, c'était relativement recomposé. Et c'est comme ça qu'on capte un peu quand il y a des similitudes. Donc les anciennes vies, ça permet aussi de mieux se connaître. Quand vous savez que c'est telle ou telle personne, on enchaîne pour les commentaires de ceux qui sont à côté. Si vous avez envie de faire un chat, allez ailleurs. Vous parlez. Pour l'instant, essayez de suivre, ça sera intéressant parce que l'idée des anciennes ou tel personnage, ça permet de connaître ses tendances, sa façon de faire et de les retrouver et de les découvrir chez nous. Quelqu'un qui a une ancienne vie comme Léonard de Vinci, qui commençait tout, qui finissait rien. Alors là aussi, je l'ai déjà dit, puisqu'a priori, et même a posteriori, c'est la mienne, l'une des miennes. Pendant une époque, j'ai commencé tout sans rien finir. Il y a des tendances et des similitudes très claires. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de comprendre l'histoire de Marthe Robin. Pourquoi? Parce que je l'ai croisée, l'âme de Marthe Robin, enfin de celle qui est supposée être Marthe Robin. Je l'ai croisée puisqu'elle m'a décrit son calvaire, qui est exactement le même, trait pour trait, paralysie ou machin, des signes de handicap assez sévères. Le hic, c'est que cette personne est née en 71.
Et le hic, donc, complémentaire, la deuxième partie du hic, c'est que cette personne que j'ai découverte, elle est née en 80, elle est née en 71, donc, et Marthe Robin est décédée en 81. Et c'est donc pas possible. Ça veut dire que il y a forcément une supercherie autour de Marthe Robin. Je suis allé chercher dans son histoire, et puis en tâtonnant, effectivement, au début avec le pendule, ben, elle me rend compte qu'en fait, elle a une jumelle. Marthe Robin avait une jumelle, et c'est cette jumelle-là qui était handicapée depuis le début. À partir de là, l'histoire maintenant colle et permet de recoller les morceaux, donc à la fois de l'ancienne vie et de la personne qui l'était. Ça veut dire que il y a bien une supercherie et que j'ai retrouvé la date où ça s'est calé, c'est en 44 où elle est décédée, sachant qu'en 42 il y a eu une rupture, mais sachant aussi que l'Église, elle ment depuis 2000 ans. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant. Sachant que l'Église, elle vous a inventé des reliques. Des reliques qui n'ont jamais été celles de saints, sachant que les saints, ce sont des païens. Je l'ai dit dans un article et dans une autre vidéo, les saints, tels qu'ils étaient nommés saint Julien, saint François, saint Martin, sont des saints qui datent des 3 premiers siècles. Des saints païens. Et saints parce qu'ils faisaient partie de la famille sainte du Christ et de ses descendants, qui allaient partout évangéliser au sens porter la bonne parole païenne, le comportement païen tel que nous, on va devoir le vivre, je dirais, dans les temps qui viennent, de revenir à ça, au respect de la nature, de ce que tout le monde est en train de vivre aujourd'hui. Donc le comportement païen. Et donc les saints, c'était ça, ce qui fait que l'Église a la menti depuis le début, en reprenant le mot de saint pour la sanctification religieuse, autour de ce Dieu qui n'existe évidemment pas, celui de l'Église. Bien. Donc Marthe Robin, ben, comme Padre Pio, ils ont été utilisés par leur capacité pour prolonger ces secrets de l'Église et ces mensonges de l'Église. Et ils se sont servis donc des martyrs pour faire croire que bah, c'est sûr pour Dieu, pour le Christ, machin. Alors, que les gens y croient, c'est leur problème, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre aussi que l'Église, elle a tout trafiqué. Et que les soins qu'on faisait dans l'église, parce que c'était des monuments sacrés, où on met les mains sur les colonnes pour faire partir le mal, ou sur l'autre colonne de l'autre côté pour recevoir l'énergie, ben il y a justement tout un monde à franchir qui est de ne pas croire en l'église religieuse, mais aux soins païens dans les monuments sacrés, dont les fréquences varient de 60 Hz entre les piliers dans la grande longueur. Jésus, c'est pas seulement un Gaulois, c'est un païen. Marthe Robin, donc c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'ils ont triché sur. Ça a commencé à rapporter tellement les visites qu'ils ont tout fait pour le prolonger. Parce que décédé en 44, quelque part, leur objet de culte décédé, ben ça rapportait trop pour arrêter. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'il y avait une jumelle. On met la jumelle à la place. Il y a plein de doutes par rapport à son invalidité. À la jumelle, celle qui a pris la place. La vraie Marthe, c'est celle qui a pris la place, mais la vraie qui avait les symptômes. C'est bien ça qu'il faut comprendre. L'eau bénite, oui, c'est quelque part virtuel, puisque l'eau bénite, c'est parce qu'elle est dans les colonnes qu'elle est bénite. C'est pas parce qu'un curé met la main dessus. L'eau, elle est bénite par le Christ, parce que le Christ, c'est un magnétiseur au premier chef. C'est le magnétiseur le plus connu du monde. Hein. L'eau bénite, c'est celle que n'importe quel magnétiseur peut vous magnétiser. N'importe quel. Normalement. Elle sera au moins magnétisée. Après, à quelle hauteur, à quel niveau, ça c'est une autre chose. C'est une autre chanson. Bref, donc Marthe Robin, voilà, c'est une supercherie, une de plus. Il y a effectivement la sœur jumelle, j'ai même pas cherché le prénom, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve éventuellement le prénom. C'est la sœur jumelle qui a été handicapée et souffrante, sur laquelle se sont faites toutes ces croyances légitimes. Mais après, ça a été entretenu jusqu'en 81 par l'Église et la famille qui avaient besoin de thunes pour élever les gosses.
Et au final, ils ont trouvé un moyen très simple. Facile à entretenir, tranquille, impeccable. Donc, si vous voulez, voilà, le mensonge Marthe Robin. Je reviens en deux secondes aussi sur le mensonge Padre Pio. C'est pas lui en tant que tel le mensonge, mais il a été utilisé comme symbole. Le symbole de quoi? Ben, simplement, donc, il avait effectivement une capacité médiumnique et dont il s'est trop vanté ou qu'il a trop utilisé pendant la guerre, là où il était avec d'autres curés. Et donc avec d'autres curés, mais qui finalement se sont foutus de sa tronche et l'ont crucifié pour de bon, c'est-à-dire avec des clous, des pointes, sans doute à chevron, quelque chose qui soit assez costaud pour faire mal. Et ils l'ont crucifié comme ça, avec la paume des mains. Enfin, dans la paume des mains et les pieds, enfin, je sais plus, je crois qu'il y a les pieds aussi. Ça, ce sont les stigmates de Padre Pio. Mais, c'est pas les réminiscences de la crucifixion du Christ, puisque primo, c'est pas le Christ qui a été crucifié. Deuxio, la crucifixion, c'est pas mettre des clous dans les mains. C'est sur le bois pour attacher des cordes. Il n'y a jamais eu de clous dans les mains. Hein. Vous imaginez comment les mains s'arracheraient avec le poids du corps? Quand même pas déconner. Hein. Donc il n'y a pas les clous, les pointes à chevron probablement, étaient là pour attacher les cordes et attacher les bras et les pieds. Il n'y a pas d'enfoncer le clou, ça c'est encore le truc pour faire croire à l'horreur. C'est encore Jack. On va voir ailleurs. Donc, Padre Pio, ça aussi, ça a été utilisé parce qu'il avait. Évidemment, les clous, ça a été relativement mal soigné et il y avait régulièrement des réminiscences. Alors, on en a dit que c'était les réminiscences du Christ. Hein, puis après, on vous a montré bon, ben, son corps qui était embaumé, qui s'était conservé pendant 70 ans. Bon, il faut. Peut-être, admettons, hein, ça, à la limite, si c'est bien embaumé, pourquoi pas. Mais, la résurgence du sang, enfin la résurgence de ces les stigmates de ce qu'il a eu soi-disant sont fausses. Ça ne vient pas de réminiscence du Christ, ni de la crucifixion. Ça vient de la crucifixion, mais la sienne, faite en 1943 par ses compères. Ok? Et ça, c'est. Michel, oui. Et ça, c'est la supercherie de l'Église déjà tout du long. Les monuments sacrés qui sont en théorie faits pour soigner. Mais où ils ont utilisé des reliques qui ne sont pas des reliques, c'est n'importe quelle personne venue, vous mettez des os, vous faites croire sans problème. Hein. Mais si, j'ai dit qu'il y avait des clous, mais pour attacher les cordes, il faut écouter ce que je dis. C'est marrant, c'est que le problème, c'est comme la lecture. Vous lisez un mot sur deux, vous entendez un mot sur deux, je l'ai dit, pour attacher les cordes. Aujourd'hui, on est dans le sionisme à cause de toute façon du judaïsme et du catholicisme. En clair. On est dans le sionisme aussi parce qu'il y a la République qui a été créée pour ça, en détruisant la monarchie christique. J'en profite, du coup, pour pousser un gentil coup de gueule par rapport à la monarchie christique, dont une personne que j'ai quand même réhabilitée il y a une demi-heure, qui avait été strikée. Non, la monarchie, on ne viole pas des enfants. Non, on n'a pas 50 femmes. Non, on n'a pas 30 enfants. Non. Et je prends pour exemple Charlemagne, parce que pour l'instant je l'ai décortiqué. Il n'a jamais eu 13 femmes, 18 enfants. Il y avait un château. Les femmes dont on parle sont celles du château qui travaillaient au château. Celles qui travaillaient au château, qui étaient donc sous sa coupe. Les enfants, c'est ceux qu'il bénissait parce qu'ils étaient nés au château. Donc ça n'a rien à voir avec le nombre de femmes. Simplement. Toute l'histoire, je le répète, a été réécrite par les sionistes entre 1728 et 1761. Et donc tout ça, ben, ça a concouru à faire un ensemble de supercheries liées à l'Église. Et par le sionisme, tout le trafic des écritures sur les monarchies. Je vais me lancer le défi de vous donner les nombres de femmes exactes de chaque roi, enfin exactes, suivant mon ressenti, le nombre d'enfants, et je pense qu'on va rigoler un peu par rapport à Wikipédia, la sioniste. Vous parlez, non, je ne vais pas dire de gros mots, mais j'ai failli, de la saloperie sioniste qu'est Wikipédia, dans les articles qui sont écrits. Je vous rappelle que Wikipédia, jusqu'à l'Alliance, c'était en gros 50-60 personnes en permanence à censurer tout ce qui était anti-sioniste. Hein. Et je ne parle pas d'antisémitisme. Hein.
Parce que même les juifs, ils ont été massacrés par les sionistes. Donc l'Église, c'est important parce que si on revient au paganisme, c'est justement parce qu'elle est vérolée. Et comme c'est dit dans les Écritures, les paraboles qui seules sont restées, ça a été construit sur du sable. Donc aujourd'hui, c'est normal que ça descende. C'est ce qui est construit sur le roc qui reste. Et ce qui est construit sur le roc, c'est quoi? Les monuments en pierre, les monuments sacrés, les astéroïdes, les maisons en pierre, les fondations en pierre qui sont protégées sous terre. Ça bug pour certains, mais pas pour tous, donc par tous, donc essayez de rafraîchir de votre côté. Donc voilà un point sur l'Église, les anciennes vies un petit peu, parce que bon, les anciennes vies pour aller chercher, c'est comme pour beaucoup de choses. Le sionisme vient des jésuites, ben oui, tout ce qui vénère Judas de toute façon, de façon large, de façon assez large. Je l'ai expliqué, Gaylor, tout ce que je dis là, je l'ai déjà dit pratiquement une fois, et répété dans d'autres vidéos. Donc si vous arrivez là, ben, il va falloir vous taper les autres, parce qu'un jour, d'ici une semaine, de toute façon, vous serez obligé de tout aller voir. Vous aurez le temps, du coup, mais vous serez obligé de tout aller voir. Hein. Enfin, tout ce qui est essentiel, en tout cas. Donc tout est basé sur le mensonge, oui, de l'Église, de la République. Napoléon, il a tout fait pour créer la Suisse, par exemple, coffre-fort, pour créer le sionisme derrière. Capitale sioniste, capitale maçonnique, avec Zurich et Sion. Donc évidemment. Bon, alors, concernant les femmes, alors les femmes dans la religion monothéiste, c'est pareil, elles ont été poussées rebootées, on va dire, reboulées par à chaque fois, ou des curés, ou des faux druides, ou tout ce qu'on veut. Donc tout ça demande justement, non, ça ne botte pas à mort, c'est faux. Donc tout ça amène justement à ce qu'on revienne sur le côté gaélique, sur le côté païen des choses. Pour ça, il faut que je fasse un petit mémo encore, un petit rappel sur qui était et comment fonctionnait Lugh, Arthur, et donc la descendance du Christ. Parce que finalement, les territoires morcelés et tout, le Christ qui est né en France, donc le territoire a été partagé entre ses trois enfants, le Messie et les jumelles, et l'une des jumelles a eu pour enfant donc Arthur. Les tables rondes d'Arthur, Arthur c'est donc le petit-fils du Christ. Allez voir la vidéo sur la légende d'Arthur. Tout est décortiqué, tout est expliqué. Arthur, c'est donc quelqu'un qui gérait une grande partie de la région ouest avec des tables rondes, c'est-à-dire des fortifications romaines dans lesquelles il y avait une table ronde dans 13 endroits. 13. 13 en gros, en quelque sorte, 13 préfectures. En quelque sorte. On pourrait appeler ça conseil général. Bon, j'ai choisi préfecture. 13 tables rondes, dont une qui est donc à Tréorintec, qui était la base d'Arthur. Les 12 autres, c'était donc répartis sur la côte ouest, entre Biarritz, si je me rappelle bien, et en haut, si je me rappelle bien toujours, Le Havre ou Le Havre ou Dieppe. J'ai un petit creux, mais tout ça c'est pareil, c'est expliqué, ça doit être aussi dans mes albums photos. 13 tables rondes, c'est-à-dire que chacun, il y avait un chevalier qui avait la responsabilité d'une des tables rondes, donc en gros d'une préfecture. Et à tour de rôle, ils se réunissaient dans tel ou tel pour faire des points de situation. Ça rappelle aussi quelque part l'idée parfois de loges maçonniques où vous pouvez vous déplacer dans d'autres régions pour faire des visites. Là, c'était structuré. Et quand Arthur y allait, ben, il sortait son épée sacrée. Du coup, je sais même pas le nom qui me revient. Et il la mettait dans un fragment d'astéroïde qui était la base de la table ronde. Mais il paraît que le Christ n'a pas existé. Allez voir vos autres éveillants. Et cette épée, ben, c'est en fait, elle n'était pas plantée dans l'astéroïde. Elle était mise au milieu, juste dans l'astéroïde, parce que l'astéroïde, je l'ai déjà dit, c'est la pierre philosophale. C'est la base de tout. Celle qui va nous arriver bientôt. Ce principe-là, ben, c'est celui qu'il va falloir qu'on il va falloir qu'on l'applique à nouveau en créant localement quelque part une fourmilière, une toile d'araignée, une ruche, pardon. Et à partir de là, on va pouvoir se déployer à nouveau, mais pas se déployer au sens de la prétention de ce que c'est, mais pour à nouveau fédérer. Excalibur, merci Eric. J'étais en train de penser à un autre nom.
Ça, c'est ce qu'il va falloir créer à nouveau. Donc, on va être amené, et notamment pendant l'hiver, à se redéplacer pour préparer les graines, comme je l'ai dit, au sens païen. Et ça commence maintenant pendant les Saturnales. Les Saturnales qui ont démarré, je vous le rappelle, avant-hier, au moment de la vidéo, 18h30. Enfin, au début de la vidéo, 18h30. Et elles se finissent au moment d'une vidéo que, a priori, on va faire. Comment c'est, je ne sais plus quel jour ça tombe, 18h30, le 25. Donc ça tombe, bon, ça tombe comme ça tombe, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Le 25, on sera donc amené à conclure ces Saturnales. D'autant que ce jour-là, c'est le jour de la crucifixion. Non, faut pas détruire tous les monuments, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. C'est encore n'importe quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens un peu. Là, on est en train de repérer tous les gens mauvais, en fait, c'est bien. C'est en train de sortir. On va donc reconstruire dans chaque. Un peu partout. Donc on va commencer par la Bretagne, pourquoi? Parce que là aussi, dans les vidéos d'avant, je vous l'explique. La Bretagne, c'est le début de la civilisation gaélique. Par Gaélia, entre autres, Pandora, Ouranos, Chronos. C'est le début de la civilisation gaélique, donc, merci Noël, donc de la nôtre en fait, hein, celle qui est née à Tréorintoc, par le couple Borée et Ino, parents de Ouranos, Chronos, Pandora et Gaélia. On va donc être amené à recommencer par ce coin-là, pour reprendre les bases. Ensuite, ça va évidemment aller dans toutes les régions. Et c'est là que vous allez être concerné. Et avant d'enchaîner sur ce côté Bretagne, je rappelle que cette histoire d'âme vous a montré un truc, c'est que dans les années qui viennent, et ça a commencé bien sûr déjà depuis quelques mois, même si beaucoup n'ont pas encore vu, tous ceux qui vont être témoins par rapport à ce qu'ils ont vécu avec les âmes, bah tous ceux qui vont être témoins, ils vont avoir un peu ce rôle de dispatcher localement, de témoigner, de reconstruire sur la base de ce qui a été dit. Et quelque part de participer au démarrage de l'âge d'or dans quelques mois, dans quelques dizaines de mois. Pardon. Alors effectivement, Noël, ça a été rajouté au Saturnal pour cacher la crucifixion le 25. Et effectivement, mais ça on va y revenir après avec. Enfin, Miguel parle d'un truc, mais bon, on va y revenir. Les Saturnales ont permis de cacher effectivement la crucifixion qui a eu lieu le 25 décembre. Le décès, quelque part prolongé, en tout cas le corps enlevé le 26 au matin à 9h. Parce que pour le lundi de la Pâque, justement, il fallait le dégager pour pas que ça se voie. Donc tout ça, la reconstruction, ben, vous allez y participer, c'est pour ça qu'on est là en fait. Là, je vais même faire une demande officielle à certains d'entre vous par rapport à notre projet de redémarrage. Né en avril, Miguel, excuse-toi, je le sais depuis longtemps, 14 avril, hein, c'est pas nouveau, ça fait 7 ans que je le dis. Donc vous allez tous participer à ça, toutes et tous, être amenés dans votre coin à créer ce style table ronde, c'est-à-dire un peu de discussion, de regroupement, comment je dirais, de possibilités, de potentiel, pour reconstruire, pour préparer le terrain. L'hiver païen, donc entre maintenant. Et le 22 mars, l'hiver païen, c'est de laisser la terre se reposer, mais de préparer aussi les graines. Préparer ce qu'on va planter en mars. Donc, l'idée de table ronde, c'est que localement, des groupes de 3, 5, 10, 12, 13, dans l'idéal, personnes, se donnent rendez-vous et cherchent un peu à fédérer autour d'eux ce redémarrage pour se réunir plus encore après. C'est ça l'idée du sujet. Et pour ça, il va falloir que nous, on pèlerine un peu à droite à gauche. On est d'accord, Esther? Oui, reprécisons-le, les sionistes ont bousillé, ont détruit eux-mêmes, ont sacrifié le peuple juif, on le sait, oui, je l'ai dit. Déjà, bien d'autres fois. Pour ne pas confondre, évidemment. Alors, là où le live est important, c'est par rapport à ce que, au démarrage. Donc, par rapport au démarrage en Bretagne. Ce qu'on me fait comprendre, c'est donc de commencer par là, et notamment avec ceux qui m'ont accompagné ou qui m'ont fait venir, ou peu importe, c'était à peu près la même chose, en Bretagne au mois d'août dernier. Enfin, au mois d'août. Oui, au mois d'août dernier, le 22. L'idée, ça va être de retourner là-bas, avec, a priori, on est 5 binômes, et de commencer cette reconstruction, premièrement.
en essayant de trouver des personnes qui nous accueillent, de façon à être sur place, notamment donc dans la nuit du 24 au 25 à Noël, puisqu'on me parle aussi de fête des enfants. Donc ça fait partie du sujet, hein, de ce Noël qui est la fête des enfants, où il devrait se passer enfin cette élimination dont je parle depuis longtemps. Ça veut dire que le 25, en gros, on va pouvoir se réunir à nouveau et donc parler de tout ça sans avoir, et sans avoir le Covid. Parce que justement, ce Covid, ben, le 25, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce qu'on redémarre tout. Et le Covid, comme il vient d'en haut, ben, il part avec le reste. Ça, je l'ai déjà dit aussi, à maintes reprises. L'idée, c'est d'arriver à aller, en commençant par la Bretagne, où j'ai quand même aussi pas mal de contacts, de trouver 5 lieux d'hébergement et éventuellement une salle pour faire une mini-conférence ou un live, on va dire, le 18, le 25 à 18h30. Ça, c'est ma demande à ceux qui entendront et qui sont dans le coin là-bas. Parce qu'à terme, on va donc, ça va être la même chose. Moi, je vais être amené normalement à me promener, à aller justement en mars, avril, mai, un peu partout pour expliquer encore un peu plus tout ça. Aller au fond des choses partout de cette manière. De tisser des toiles, de tisser la toile, mais à la limite plutôt parler de fourmilière. Et que si je vous dis que j'ai fréquenté le réseau immobilier La Fourmi, ben c'est qu'il n'y a pas non plus, c'est pas non plus extraordinaire. Tout est en train de se remettre sur le tapis, tout est en train de se remettre à jour. Donc, cette reconstruction qui va se faire partout, vous allez y participer parce qu'à partir du moment, alors je ne parle pas de tout le monde, parce qu'il y en a comme les trolls, eux, le 25, ils sont plus là. Alors aujourd'hui qu'ils pourrissent, c'est à peu près normal. Alors je me souviens aussi que j'avais fait une carte, j'avais fait une carte avec la présence de chacun. Je n'ai pas l'intention de m'en servir pour relancer. L'idée, c'est d'avoir des suggestions. Évidemment, c'est participatif, hein. Faut pas que ce soit un handicap. Donc aujourd'hui, je le dis, c'est une relance, la reconstruction, la construction d'un nouveau monde. À partir de là, ben, participent ceux qui veulent. Il n'y a absolument aucune obligation. Il n'y a pas beaucoup d'autres révélations, si ce n'est que c'est une semaine importante et on est déjà le 21, donc le 25, c'est finalement dans 3 jours, 3 jours et demi. Merci Sylvie. Donc il y a évidemment des lieux comme Bordeaux où il y a beaucoup de monde qui sont groupés. À Metz, comme vient de le dire Sylvie, j'ai 3-4 personnes déjà. Dans le sud-est aussi et un peu partout, puisque vous avez été nombreux à manifester la sympathie et à faire ces propositions. Déjà, il y a un bout de temps. Il y a déjà un bout de temps. Ce qui est absolument adorable et admirable. Et je vous en remercie. Là, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est à la fois une conclusion et vraiment le top, j'ai envie de dire, du redémarrage avec cette dernière semaine de transition. Une dernière semaine de transition. Et ben, elle part donc du Sol Invictus, le soleil qui renaît, c'est ça aussi. Et le soleil, ben, c'est l'image de la table ronde. Faut recréer des tables rondes de discussion pour concevoir, créer. Alors, Suisse, Belgique, tout est envisageable, bien évidemment. Moi, je ne sais pas où je vais le lendemain, hein. Mais après, localement, il y a des personnes qui seront capables de faire, si elles savent se déplacer à un moment donné. En Savoie et partout, il y aura. Et surtout quand ce nettoyage sera terminé et il est quasiment fini. Le dernier nettoyage, c'est donc pour le 25. Donc effectivement, le boom, mais ce n'est pas un boom potus, hein. C'est un boom vaisseau, hein. À ce sujet, il n'est pas impossible que vous voyiez le vaisseau mère, ou vous entendiez mais Macron, il y a longtemps que c'est fini. Le vaisseau mère, que beaucoup entendent vibrer aujourd'hui, ces temps-ci, il n'est pas impossible qu'on l'aperçoive d'un peu plus près dans quelques jours, là. Tous ces vaisseaux qui sont censés être utiles au nettoyage. Et si, et là où je colle un petit bout de Trump et des élections, juste un petit bout, parce qu'aujourd'hui ça ne sert plus à rien de regarder, le but étant de virer les constitutions, c'est parce que ce qu'il appelle Guardian, les Guardians, ce qu'il appelle la force aérospatiale américaine, quand il dit les gardiens, c'est pas d'eux dont il parle, hein. C'est là-haut, hein, qui vont venir nettoyer. Quand il parle des vaccins qui arrivent en Europe, c'est le nettoyage des gardiens qui arrivent en Europe. Beaucoup de feux d'artifice, oui. Il y a les dernières mises au point.
Et puis surtout que bah, y a une, je dirais, une idée d'émeute le jour où les gens paniquent un peu, il y a une idée d'émeute. C'est pour ça qu'il faut y être préparé, c'est pour ça que moi je suis entre guillemets en avance par rapport à ça. Prévenir, on est des éclaireurs, et quand je dis bien on, alors nous sommes des éclaireurs. Vous avez eu affaire à deux d'entre eux avec Sébastien et Roger, que vous avez submergé de messages aussi le dimanche, ce qui n'est pas très cool pour lui. Bon, ça c'est fait. Aujourd'hui, ne rappelez pas pour les âmes, ça ne sert à rien. Pour les soins en parallèle, pourquoi pas, mais sachez que là, pendant 4-5 jours, on va être énormément pris. Et sans doute encore le reste, puisque tout l'hiver va servir à ça. Merci pour le Gers. Donc, tout l'hiver, c'est là encore une fois, préparation des graines, repos de la terre. Vous comprenez qu'il faut. Mais comment je suis sûr? Ben, parce que moi, j'ai fait des vidéos depuis 2 ans, puis que je cherche depuis 7 ans. Donc, quand je dis ça, vous n'êtes pas obligé d'y croire si je suis sûr que ça vous gêne. Au revoir. Matériellement, il va se passer quoi? Ben, il va se passer qu'il y a des gens qui vont disparaître. C'est tout, dans un claquement de doigts. Hein, donc, il y a encore des personnes qui ont compris. Bon, ben, Catherine est un exemple particulier aussi, parce que tout récemment, ben, ça y a déclenché plein de choses, comme d'autres. Participer, c'est pas le problème, hein. Il n'y a aucune obligation. Simplement, au moment où il faudra encore faire du tri, ben, il y en a plein qui partiront, qui resteront pas. Mais peu importe, c'est aussi un moyen pour l'univers de trier au fur et à mesure. Valérie, donc les âmes, les âmes sont parties. Cette nuit, encore une fois, donc tout est parti. Volontairement, consciemment ou pas. Le reste s'explique autrement donc par les cellules qui ont besoin de se régénérer, par un certain nombre, par un alignement ou par l'eau aussi, par l'eau qui est nauséabonde, qui est néfaste et qui méchant. Excellent. Valérie, projet Blue Beam. Sérieux. Et vous n'avez pas l'impression d'être en retard de 9 mois, d'un an là? Projet Blue Beam, ARP tant qu'on y est aussi. Puis Obama aussi tant qu'on y est. Hein? On est en train de parler de reconstruction, c'est qu'on est bien évidemment passé dans l'autre monde. Et tous ceux qui se manifestent là avec toutes ces questions, tout ce retard, vous faites pas d'illusions, hein. On y est, Sophie. Les révélations, c'est quoi que je suis en train de faire là? C'est pas parce que vous ne croyez pas que ce ne sont pas des révélations, hein. Vous attendez les révélations de journalistes, de toute façon, quand ils les font, vous les croirez pas. Vous ne les croirez pas. Là, vous ne me croyez pas, moi je peux comprendre, je suis un petit. Mais tous les petits qui sont en train d'émerger là, entre Grégory, Miguel, Vincent, Déborah, Isabelle, tous les petits là, c'est ceux-là qui emportent la vérité. C'est pas tous les autres qui sont maqués entre eux. Mais pourquoi annoncer la fin de Macron? Vous ne l'avez pas vu en image. Pourquoi l'annoncer? C'est sous vos yeux, il faut vous. Eh, au fait, c'est pas le bon Macron là. Il y a des médias qui ont, dans le Dauphiné, j'ai un extrait d'article, dans le Dauphiné, ils disent qu'il y a supercherie. Ah, puis il y en a un autre qui dit que non. De toute façon, vous n'y croirez pas, parce qu'il y en a 50% qui y croiront, 50% qui n'y croiront pas. Pour que vous y croyez, eh ben, il faut attendre le 25 et de constater que la nuit, ben, il y a 1,5 milliard de personnes qui ont disparu. C'est le seul moyen. Ah oui, alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Là, vous y croirez. C'est pour ça qu'il y a ce tri, ce nettoyage qui est prévu. Si je me trompe de date, eh bien tant pis, ça sera encore un peu après. Mais ce qui est certain, c'est que vous n'y croirez pas tant que vous n'avez pas pris une bonne claque dans la tronche et que l'écran que vous demandez, dans lequel vous demandez des images, ils ne vont pas montrer au grand public parce qu'ils n'auront pas le temps. C'est en voyant dehors, sous vos yeux, le vide qui s'est créé, que vous irez voir enfin. Ceux qui vous ont dit pourquoi ça allait arriver. C'est ce jour-là seulement. Parce que là, je dis des trucs qui sont faciles à vérifier en regardant les photos quand même. Mais non, on continue d'y croire. Mais non, non, mais quand est-ce qu'ils vont dire que Macron c'est fini? J'ai envie de dire à ceux-là, bande d'idiots, pourquoi? Vous voyez, j'ai pas dit un gros mot, hein. C'est de la suffisance, c'est de la, je sais pas, de la, je sais pas quoi, oui, de la suffisance, on m'a dit tout à l'heure encore. Peu importe. Bande d'idiots. C'est sous vos yeux. Et
Vous êtes encore là, demandez, mais Macron, c'est qu'un détail du plan global. Le but, encore une fois, je l'ai dit avant-hier, c'est de détruire les constitutions. Macron étant une femme au départ, mariée avec une femme, elle est déjà d'office morte. Sa femme aussi, d'ailleurs, comme la Constitution. Elle est de facto morte. Vous ne croirez jamais en rien si vous ne prenez pas un coup de boule. Mais les médias, on s'en fout, ils disparaissent avec. Mais qu'est-ce que vous pouvez avoir? Des réflexions de. Mais au lieu de me poser des questions, réfléchissez avec la vôtre tronche, quoi. Je sais pas, moi. Les médias vont l'annoncer. Mais arrêtez de faire une fixette, projetez-vous dans le plan global. On va revenir là-dessus, d'ailleurs, et puis je vais même conclure, ce ne sera pas long aujourd'hui, parce que la demande est passée, je vais même insister encore un peu dessus. Vous avez tout sous les yeux. Mais il y en a un bon ensemble qui est suffisamment médiocre pour critiquer les médias et attendre des médias qui disent la vérité. Pour critiquer le journaliste et disent que c'est un pourri. Pour dire que la politique c'est de la merde et pour vouloir Asselineau ou je ne sais qui. Je parle pas d'Asselineau, c'est peut-être un mec bien, peut-être. Mais c'est pas la question. Vous critiquez tout et vous voulez la même chose. Vous voulez changer de paradigme, mais vous voulez les mêmes personnes et le même système d'organisation. C'est quoi ce délire? C'est du grand n'importe quoi. Vous posez des questions, vous avez oublié de réfléchir. Il y a le seul moyen, c'est exactement pour cette raison que à Arcadie ont été préservés tous les corps des rois, les corps de la famille sainte, y compris le sarcophage de Cléopâtre, y compris Jules César, y compris Pie VI, Pie VII, y compris Jeanne d'Arc, enfin Anne de Bourgogne, la vraie héroïne, enfin héroïne au sens des combats, tout a été regroupé au même endroit. Pourquoi? Parce que là encore, si ça avait été. Et c'est pour ça que la cause templière, tiens, le drapeau derrière. Ce qu'ils ont fait, les templiers, c'est qu'ils ont regroupé eux aussi les corps. Tout est au même endroit. Pourquoi? Parce que s'ils avaient été mis un peu partout, disséminés en France, les corps des rois, il y aurait encore eu des crétins. Pour dire, ah ouais, mais c'est pas forcément lui, parce que là il est là, puis là il est là, puis l'autre il est là. Ben oui. Et pourquoi ils sont donc au même endroit? Ben parce que même les scientifiques ou les légistes qui feraient comme aujourd'hui, où ils analysent le cœur d'Henri IV, soi-disant, comment vous pouvez prouver que c'est le cœur d'Henri IV? Parce que sur le sarcophage, c'est marqué Henri IV? Parce qu'il a des vêtements d'Henri IV? Je vous rappelle que Louis XVI, il a été arrêté. Enfin, Louis XVI. Le personnage qui était à la place de Louis XVI, il a été arrêté, ils ont cru que c'était Louis XVI, hein, tellement il était maquillé pareil. Même chose. Oh, leur voilà, lui. Ouais, ben. Donc, de la même façon, comment prouver que c'est le cœur d'Henri IV? Il n'y a aucune preuve, aucune, impossible. Le seul moyen de prouver, c'est quand ils trouveront donc Arcadie, et quand ils trouveront tous les corps ensemble. Parce que là, ils pourront faire un lien de généalogie. Ils pourront tout faire. Ah ben oui, ah ben donc c'est bien lui. Ben là c'est bien lui, ben oui c'est bien lui, parce qu'il y a chaque fois 25 ou 50% de vrai dans le test généalogique. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des cas isolés. Tout a été regroupé pour vous rentrer dedans, en fait. Parce que le peuple est dangereux. Parce que le peuple, comme je l'ai dit, si on enlevait les masques, il serait capable de tuer quelqu'un qui ressemble à quelqu'un. Il serait capable d'assassiner un mec comme Dupond-Moretti parce qu'il a un sosie. Ou un jumeau, ou je sais pas quoi. C'est faux. Alors, Sainte-Bernadette, j'en sais rien, j'ai pas étudié. Donc, vous êtes le peuple, enfin, vous êtes le peuple est dangereux au sens collectif de la chose. Individuellement, on est tous, on va dire, presque potentiellement maîtrisables. Mais, au sens collectif, au sens de la horde de sauvages que ça peut devenir, c'est impossible. Et encore une fois, mai 68, la Révolution française, c'est quoi? Instrumentalisation du peuple pour prendre le pouvoir. Lâcher les hyènes, lâcher les loups dans le parc, et ça sera, et puis et ben, ils sauveront en demandant de la protection. Les sionistes pour les juifs, c'est pareil. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible de donner le pouvoir au peuple maintenant. Trop dangereux. Il faut donc qu'on ait la connaissance et ce grand mur. Qui poussera chacun à se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu quoi?
Non, les lieux à privilégier, pas spécialement. Le mieux, c'est de trouver des maisons en pierre, de trouver des endroits un peu pittoresques, un peu atypiques. Hein. Voilà, une meute est incontrôlable. Si vous lâchez la meute, comment vous faites? L'exemple d'Elisa Pilarski avec les chiens, c'est un peu ça, l'exemple symbolique. Hein. Ben oui, mais c'est pour ça, il faut aller voir les autres dans ce cas-là. Qui va devenir président? Je viens de dire à l'instant que vous vouliez parler de président demain, alors que vous critiquez le président d'avant. Et que je suis en train de parler de monarchie. C'est quand même dingue. Vous suivez même pas ce qui est dit. Persuadé, enfin, jusqu'au bout de ce que vous avez envie de dire, plutôt que d'écouter ce que moi je vous dis. Si je fais un live, c'est pas pour vous écouter. Hein. Faites-en un, je vous écouterai peut-être. Donc encore une fois, le monde de demain, c'est un monde plutôt monarchie christique, au sens de la vérité, de comment, de la transmission, du partage, et de se servir des ressources pour tout le monde. Regardez, je reviens encore à Charlemagne. Il hébergeait 12 ou 12 ou 10, 12, 12 femmes, je crois. 12 femmes de service dans un château. On a inventé des maîtresses de partout à Louis XIV. Ouais. Or, pire, on m'a inventé aujourd'hui Louis XV qui ramenait des gamines de plus en plus petites pour les vendre et machin pour avoir des thunes. Alors que ce sont les sionistes qui ont réécrit cette histoire. Sérieusement. Les sionistes ont écrit l'histoire pour vous faire croire que ça existe avant et pour justifier donc ce qu'ils faisaient maintenant. Mais ça, vous n'avez toujours pas compris? Au bout de 135 vidéos que je fais. Et donc, ça pose un problème quand même. C'est pour ça que je vais faire un tableau. Demain, je pense que je vais m'amuser à ça en attendant les bonnes nouvelles. De faire un tableau avec le nombre de femmes régulières, nombre de maîtresses. Et pour être entièrement clair, je vais même vous dire, on va peut-être le faire avec Noan, mon fils, pour justement, à la limite, être deux. Pour un autocontrôle. Mais le tableau, je le confierai à Roger ou à Sébastien pour qu'ils le vérifient. Et puis à d'autres qui font le pendule en même temps avec nous. Et pour vérification. Et vous verrez qu'on viendra à quoi? Avec un immense château comme ça, soi-disant, ben, le roi, machin, il habite tout seul, puis il a trois maîtresses, dans 1000 pièces. Enfin, avec plein de domestiques, mais les domestiques, ils logent, ils repartent et ils vont dans l'annexe. Mais les rois, ils n'étaient pas comme ça. C'est n'importe quoi. Ce sont les sionistes qui ont écrit l'histoire monarchique, je vous rappelle, et que les historiens aujourd'hui propagent, parce qu'ils n'ont jamais pu le faire, ni voulu, ni pu. Un historien, ça je l'ai dit aussi, un historien, quelqu'un qui veut un diplôme en histoire, il doit, pour avoir 20 sur 20, raconter ce que son prof lui a raconté. Quelqu'un qui veut avoir 20 sur 20 en maths, il doit faire un exposé, il doit réciter quelque part ce qu'il a appris de son prof. Regardez aujourd'hui, si vous allez à, si un gamin qui va à l'école, qui écoute ce qu'on lui dit, imaginez qu'il raconte ce que je dis, il aura zéro. T'as pas bien appris ta leçon, c'est du délire. Oh, mais arrêtez de parler de la Palestine, il n'y a plus de territoire demain. Il n'y en a plus, elle est déjà libre quelque part. En sous-sol, elle est libre. Donc l'enfant, ben, l'enfant, il a tout bon, mais on va lui dire zéro parce que l'histoire, c'est pas ça qu'elle dit. Et même si c'est faux, c'est pas grave. Alors que on devrait à la limite douter. Mais les historiens, ils ont toujours propagé ces conneries. Sur la base de l'écriture sioniste, encore une fois, entre 1728 et 1761. Après la création de la Grande Loge de Londres en 1717, après le vol des archives en 1709. Et puis avant de créer la Révolution française. Et avant la Révolution française, de créer qui? Les États-Unis de 1776. Effectivement, Bérengère, encore, effectivement, avoir un diplôme aujourd'hui, c'est dire. C'est réciter et dire ce qu'on nous a appris. Mais que Zemmour soit sioniste ou pas, j'en ai rien à battre. Et je ne suis pas d'accord, mais j'en ai rien à foutre, ça n'a rien à faire là. On n'est pas là pour parler de l'un ou de l'autre et tout ça. Donc, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et Trump dans tout ça, mais posez vos questions ailleurs, allez, réfléchissez, réfléchissez. Alors, encore une fois. On participe là à la reconstruction, ça veut dire que toutes les questions à la con là, qui arrivent, notamment sur les choses qui ont déjà été dites, sur ce qui se voit comme un nez au milieu de la figure, c'est le cas de dire pour Macron, entre autres, depuis longtemps. Si vous n'acceptez pas d'écouter au lieu de la ramener en écrivant absolument quelque chose,
et donc à admettre que pour être historien aujourd'hui, il faut dire comme historien d'hier, donc comme celui d'avant-hier, et comme celui qui a été formaté par Napoléon notamment. Oh là là, celui-là, c'est vraiment un abruti de base. Une dernière fois pour vraiment insister, puis pour voir un petit peu les éventuelles propositions, si, et je dis encore sur un mode participatif. Répétez donc, l'idée c'est que dans les flashs et les infos qu'on a, ça tourne autour de Noël, des enfants donc de Noël, de donc d'être accueilli chez quelqu'un, chez l'habitant, comme ça se fait en Angleterre quand on est enfant et qu'on fait un voyage. Ben, c'est souvent chez l'habitant. Tous mes pèlerinages, ça a toujours été chez l'habitant, toujours bien reçu, ben, évidemment, par des gens que je connaissais depuis 8 semaines, des fois 3 jours, des fois 2 ans. Et je dis bien que c'est pour ça s'adresse, ou c'est une demande à 5, a priori 5 personnes. S'il y a plus, ben, on se permettra de choisir en fonction du lieu. L'idée, c'est que ce soit autour de Tréorintec ou de la forêt de Paimpont. Dans ces coins-là, et l'idée aussi supplémentaire, et ça c'est peut-être une autre personne, qui aurait l'occasion, même au dernier moment, d'avoir une salle où on peut se réunir à, je sais pas, 30, 40, 50, suivant les personnes qui veulent venir, à une conférence, information, conférence, appelez ça comme vous voulez, à 18h30, qui serait filmée en live, pour conclure les Saturnales, avec la crucifixion du dieu argent. Donc la demande, c'est ça. Par rapport à celui donc, qui se trouve en Bretagne. L'idée, c'est d'avoir moins de 15 bornes à faire pour aller sur les lieux de rendez-vous. On peut proposer aussi de retourner sur le tombeau de Merlin pour sentir les vibrations en fonction de la météo. Et si on a le temps, le futur roi sera Raout. Allez, arrêtez. Un futur roi qui a 70 ans, excusez-moi, quoi. Sérieusement, on implante pour l'avenir, là. Hein? On implante pour l'avenir, pas pour le passé. On n'est pas en train de corriger le passé. On est en train de préparer l'avenir. Ceux qui n'ont pas compris ça, ça sert à rien de venir. Ceux qui ont du mal à trouver leur voie parce qu'ils sont toujours en train de faire des trucs, parce qu'il faut corriger hier. Vos activités d'aujourd'hui sont celles de demain, pas celles d'hier. On est dans le nouveau monde. Simplement, au lieu, par exemple, et je l'ai dit à quelques personnes, de créer une chambre d'hôte, gîte aujourd'hui, avec ce nom-là, avec ce mot-là, mettez-vous dans la tête que ça sera plutôt au sens de demain, inversion. Gîte, chambre, c'est plutôt le côté commercial, ce qui se comprend. Mais demain, c'est plutôt le côté lieu de retraite, lieu de repos, lieu de connexion, tout ce que vous voulez comme mot. Quelqu'un qui écrit des règlements, et comme j'ai vu, enfin qui doit être là d'ailleurs, je ne citerai pas son nom, j'ai failli, mais non. Un règlement, par exemple, pour une société ou pour des scouts. Comprenez que demain, vous allez avoir des enfants à gérer, à emmener, à apprendre à nouveau ce que c'est que le bois, la pierre, voilà, le façonnage de la poterie, enfin tout ce qui est activité plutôt en plein air, guidée par des mecs, et les activités plutôt en intérieur, guidées plutôt par des femmes, donc enseignantes, nounous ou tout autre chose, mais dans les activités intérieures, le temple intérieur. Donc ça, c'est la construction, pardon, du monde de demain. C'est pas l'annulation de celui d'hier, c'est celle de demain. C'est simple. Enfin, c'est simple. Donc c'est dans cet esprit que je demande, puisque c'est aussi ce qu'on me demande là-haut, de reconnecter localement les uns les autres. Ce que j'avais demandé déjà il y a 2 ans, avant que les gilets jaunes ça commence, en octobre. J'avais parlé d'hypoconsommation, j'avais demandé aux gens de se relier sur place, de se lier les uns aux autres pour œuvrer dans le bon sens. Mais si j'y vais pas, si certains d'entre nous n'y vont pas, ça ne se fait pas. Bon là, ben c'est le moment où on peut le faire pour de bon, concrétiser sur place cette action de reconnecter un peu tout le monde localement, afin qu'après, ce soit plus général. Par exemple, l'art thérapie, Véronique, absolument. C'est ça qu'on de... enfin, ma demande, c'est celle-ci, hein, pour les personnes qui seront en Bretagne et qui, bah, en message privé, bien entendu, s'il y a des propositions, s'il n'y en a pas, bah, on ne fera pas, mais je suis persuadé que ça va se faire. Parce qu'on nous demande de partir le 23 à l'improviste en plus. Et on va le faire. Et on va le faire. Parce qu'on sait que c'est bon.
Alors c'est peut-être une salle d'école, hein, pour ceux qui éventuellement sont profs. C'est peut-être une salle d'école, c'est peut-être une salle communale, tout simplement. Quelqu'un qui serait placé dans une mairie et qui aurait les clés potentiellement pour faire ce live le 25, donc à 18h30, à plusieurs, donc avec Roger et puis Sébastien notamment, et puis avec des témoignages, avec voilà, avec éventuellement en public, mais public restreint, 20-30 personnes, faut voir. Tout le village s'il faut, hein. Mais voyez ce que un petit peu l'état d'esprit. Ma demande, c'est celle que vous allez pouvoir préparer du coup, de votre côté. Essayez de trouver dans votre coin 4, 5, 6 personnes potentiellement capables d'accueillir d'autres personnes pour fédérer, pour créer ces tables rondes. Et là, vous pourrez parler de table ronde, contrairement à table ronde des 700, des 600, des 800. La table ronde des 666, ça aurait été mieux comme nom pour eux, plutôt que de rassembler des égos masculins alors que le redémarrage se fait par la femme. Et donc ça peut. C'est forcément, ça ne peut pas marcher. L'idée, c'est pas de faire en famille, de toute façon, Stéphane. Hein, c'est. Faut que ce soit des. Et là encore, je pense à toutes ces personnes seules, pour Noël, par exemple. Toutes ces personnes seules qui, à la limite, passeront au moins 2-3 jours avec quelqu'un, sachant qu'il y a toujours à apporter des uns aux autres et inversement. Et encore une fois, bon, moi, les pèlerinages, ils se sont toujours passés de cette manière-là. Ben, si ça doit se faire autrement, de toute façon, on écoutera ce qu'on nous dit. On ira seul. Mais de toute façon, nous, on verra ce qu'on a à voir. Donc, je remercie d'ores et déjà les personnes en Bretagne qui verront cette vidéo entre maintenant, cette nuit et demain matin. On va dire jusqu'à demain midi, parce qu'après, il faut l'après-midi pour s'organiser un tout petit poil. Je remercie d'avance ceux qui répondront. Celles qui répondront et qui partageront éventuellement à d'autres personnes qui aimeraient nous voir en chair plus qu'en os, et puis avoir un peu ce niveau de salle. Donc, de toute façon, ça sera. Je pense que j'ai assez insisté là-dessus, et je vous invite à vous projeter dans vos coins respectifs sur le même état d'esprit, sur la même façon de faire, pour voir un peu ce qui se déclenche. Et si vous le faites pas, bon, ça vous coûtera rien. Hein. Si vous le faites, pas grand-chose. Si vous le faites pas, pas grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le plan d'après, si vous voulez participer à la reconstruction, et c'est pas le gourou qui dit ça, hein. Là encore, hein, nous on sait ce qu'on a à faire. Complètement. On a besoin de, je veux dire, de personnes pour savoir ce qu'on a à faire. Mais le rôle, notre rôle, c'est ça. Donc j'espère que le message sera passé. Pour le reste, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était pas forcément long aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. On va se reposer, on va attendre un petit peu les propositions s'il y en a, et puis se mettre en contact. Je vous invite, région par région, à vous contacter. Moi, je ne peux pas tellement savoir, mais c'est bien que vous ayez mis vos départements dans les commentaires. N'hésitez pas, pour ceux qui ne les ont pas mis, éventuellement, merci Gérald pour les Vosges, n'hésitez pas pour les commentaires à mettre vos départements respectifs. Histoire de savoir qui est dans quel coin. L'idée, c'est de faire un cercle de 10, 15, 20 km pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel et préparer l'avenir. On est en train de préparer l'avenir. Avant que je te vire. C'est pas beau, Obama. Il sera où? C'est Obama. Où est-ce qu'il a été mangé par un requin? Hein? Allez, j'espère que vous allez vous requinquer. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je laisse encore 2-3 minutes pour que vous mettiez dans les commentaires, ceux qui ne l'ont pas mis, vos départements. Enfin, oui, le département, les villes, après vous vous débrouillerez entre vous. Essayez de vous connecter, comprenez l'importance de ce sujet. Comprenez. Mais la vidéo, elle passera demain, Stéphane. C'est juste par endroit. Tout va se connecter. 57, Véronique, oui, il y en a pas mal à Metz, beaucoup l'ont déjà dit. À Metz et puis autour de Metz. Et en passant par les Vosges, dans le 27, dans l'Eure, j'ai vu 2-3 personnes aussi. 44, la Vendée, la Loire-Atlantique, c'est pas loin non plus. Dans le sud, les Alpes et tout, il y en a pas mal dans le 65, 66 aussi. Essayez de prendre des contacts là, maintenant, pour l'hiver.
Si vous n'avez pas compris ça, moi je ne peux plus rien pour vous. Parce que là, c'est terminé. Vous ne me voyez plus, vous ne me verrez plus avant le 25, quoi qu'il arrive. Nombre d'abonnés pour pouvoir faire une vidéo par téléphone. Ce qui fait qu'elle sera faite de toute façon en Bretagne. Et puis, ben voilà quoi. La grande nouvelle d'aujourd'hui, ben, c'est que les âmes sont aussi nombreuses que le nombre d'individus. Et donc on sait qui est qui, on sait qui est pas bon, puis on sait qui est bon. Là, on en a déjà vu une dizaine intervenir, on sait qu'ils sont pas bons. Hein? Alors, Dominique, c'est pas forcément le but d'avoir des gens qui pensent exactement comme nous. C'est d'avoir des gens qui ont envie d'aller plus loin. Ok? Donc, les commentaires à 2 balles. C'est quoi la grande nouvelle aujourd'hui? Si vous ne savez pas reconnaître les grandes nouvelles, cachez-vous, allez sur BFM, ils ont plein de scoops. Hein? Là, ils vont vous dire que Trump, il insiste encore pour pas. Entre le 24 et le 25, la nuit du 24-25, très symboliquement aussi, bah, va y avoir quelque chose. Et puis le lendemain, la crucifixion du Dieu argent, qui est une force, qui est d'une force au niveau symbolisme, bah, évidemment que vous êtes nombreux, pas forcément nombreux à comprendre. Hein. Mais ce n'est pas de la suffisance que de dire vous n'êtes pas nombreux à comprendre. La preuve, il y a toujours les questions qui reviennent. Donc, Dole, Besançon, bah, il y a des personnes sur Dole, Besançon. Il y a des personnes sur. Il y a des personnes aussi. La Normandie autour de Caen, vous êtes au moins 3 que je connais bien. Chartres 2, vous êtes au moins 3 que je connais bien. Metz, il y en a au moins 4. Partout, vous êtes au moins 3, 4. C'est la base, le démarrage, c'est 3. La Meuse, la base, c'est le 3, le tabouret, celui qui tient bien. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas ça, malheureusement, vous allez rater un wagon, vous allez rater un train. Mais Didier, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est fait quoi, c'est fait. Bon, bref, allez, je vais vous laisser mijoter tout ça. Je vous laisse transmettre et partager autour de vous, s'il vous plaît. 67, qui m'a dit 67? Robert Muller. J'ai un ami très proche qui est à Ilkirch. Pas-de-Calais Nord, il y a Roger qui est pas très loin, ça dépend de quel côté. Connectez-vous. Yolande qui est là, ben Yolande, on va sûrement la rencontrer en Bretagne. L'Aveyron, j'ai vu, voilà, il y a 4 personnes, 5 personnes. Vous voyez, il y a du monde. Vous êtes nombreux, regardez. Voilà, Van. Van, j'ai quelqu'un à Carnac, Corinne. Quelqu'un à Carnac qui s'appelle Jean-Luc, qui m'envoie beaucoup de choses. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser sur ce. Hein, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. On va aller prendre notre. Tiens, je vais même me prendre une gorgée maintenant. Voilà, 1h, 1h10, c'est parfait, c'est assez court. Maintenant, ben, revoyez la vidéo si vous voulez pour bien vous investir dedans. Partagez-la, des fois qu'elle soit censurée très rapidement. Lol. Et je pense qu'elle sera sur YouTube même avant ce soir pour une fois. Pour que ça fasse le tour d'ici demain midi, notamment pour nous et pour vous. Donc, encore une fois, merci de comprendre et merci pour vous de comprendre où ça va. Marco Freeman, voilà quelqu'un bah, qui, lui, il va passer dans le mur, la tronche dans le mur. Des Belges, j'en connais 2 très bien, Catherine, très bien. Donc, il faudrait que. Éventuellement, individuellement, vous me demandiez avant si vous voulez, si j'ai des personnes. J'ai une carte. Hein. J'ai une carte avec tout le monde hein, au départ. Ce n'était pas forcément prévu pour ça, mais finalement, de l'avoir fait, ça a permis d'arriver là. Donc, voilà, écoutez. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, ben, à très très vite, finalement, puisque on est dans les lignes, on est dans le tempo, mais il ne faut pas traîner en route. Action, réaction. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. Apéro time. Bon appétit. Et puis ma.
Allez, à bientôt.